bienvenue pour ce nouveau match de l'Olympique de Marseille. C'est la 24e journée de championnat de Ligue 1 Conforama. Et l'OM se déplace ce soir du côté de Dijon au stade Gaston Gérard. Ce soir, Marseille qui joue un vendredi soir et qui a l'occasion de mettre la pression sur ses adversaires. Face à Dijon. Ouais, c'est le mot d'ordre de l'entraîneur. Rudy Garcia a démarré une série, c'est important pour l'Olympique de Marseille. Dijon qui est dans une bonne spirale, jamais facile de s'imposer ici. Mais l'OM doit le faire pour rester sur cette dynamique de la victoire lors du match en retard face au Girondins de Bordeaux mardi au Vélodrome. Il faut enchaîner, on attend que ça, les victoires. Allez l'OM, on donne de la voix. Et s'ils gagnent, on sera là, toujours, à supporter l'Olympique de Marseille. Allez, on doit être prêt, agressif déjà dans les têtes. Allez, on est acteur, on agit d'entrée, on les choses en main. Costaud dans le duel, dans le combat et dans le jeu, allez. On joue, osez, jouez. Allez, allez, allez! Les gars, les supporters, ils font ce qu'ils ont dit, hein! Eux, ils font ce qu'ils ont dit! Ils sont là, ils encouragent! Maintenant, à nous aussi de la faire, hein! Notre boulot, allez, allez! Allez, les gars, on va faire mieux que ça sur le terrain, hein! Allez, allez, allez! Faut se bouger maintenant! Prêt au combat! Sur le côté droit, Fred Chafik là, qui va tenter sa chance. Chafik arrive, on en a que c'est bien couché, mais c'est pas fini. Et voilà l'ouverture du score des Dijonais. Oh, c'est pas possible. Ah, sur ce ballon relâché par Steve Mandanda. Là, ce sera un corner pour l'OM. Le corner de Maxime Lopez. Et la tête marseillaise, le deuxième poteau. La tête, elle est pas mal. L'égalisation. Mario Balotelli dans la surface de réparation qui crucifie Bobby Allain. Et voilà l'égalisation pour l'OM après 11 minutes. Dans cette deuxième période, on respire. Ça va mieux. Il est là, Mario Balotelli. Il en a eu des occasions. On l'a dit, on l'a répété, que ça finirait par aller au fond. Voilà l'égalisation pour l'Olympique de Marseille. 56e, ça fait un partout. Préfère frapper Balotelli. S'excuse. Centre de Sakai et la tête de Germain. Bien levé ce corner, tête marseillaise. Oh, c'était Chaï Tatsar qui avait réussi à s'imposer. C'est tiré, c'est bien tiré. Oh là là. Bien senti ce ballon. Bien fait ça. Ça c'est bien fait, ouais. Bien de... Oh, Campos, il est passé. Le petit Bondo, Campos. Dans la surface. Oh, Campos. Oh, quel but. Le but de Lucas Campos. C'est une merveille. C'est un bijou de la part de Lucas Campos. Petit ballon, petit pont, frappe enchaînée, déposé, un amour de ballon dans le petit filet opposé. Ça fait 2-1 pour l'OM. C'est terminé, victoire de l'Olympique de Marseille qui s'impose, qui enchaîne avec une deuxième victoire. C'est ce que voulait Rudy Garcia, c'est ce que voulaient les joueurs. Ce qu'on voulait nous aussi. Ça fait du bien, voilà, on commence à sentir un peu la tête de l'eau. Et on va espérer que ça continue et ça fait plaisir. Voilà. Merci aux joueurs marseillais de nous avoir donné du plaisir. C'est mérité dans la douleur, mais ça fait du bien. Pour les étrangers. Toi, tu vas revenir lundi, c'est les gars, c'est quand même mieux la deuxième période, non? Quand tout le monde se met au service des autres, quand on donne le maximum, ça donne la deuxième période. La deuxième période, ça donne la victoire. C'est bien, ça fait 2 sur 2, c'est pas suffisant. Hein. Maintenant, faut enchaîner contre Amiens pour faire la passe de 3. Si on fait la passe de 3, alors oui, on va encore gagner des places. Pour l'instant, on est 4e ex aequo, on va voir ce que les autres font. Mais ça suffit pas, ok? Mais félicitations pour la deuxième période. Bravo à tous, vraiment. Oui.
oui, ça montre qu'on travaille et le travail à la fin ça paye. Et maintenant on n'arrête pas ici et on va continuer. Et on est content de perdre un point et on est dans la maison plus tranquille que la dernière fois. Du côté 7h. Il va pas ouvrir. Ouais. Allez, c'est bon. Better subscribe. Click here.